Ta, 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 ta this is californication ta, 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 ta. this is californication ah, Pas facile d'être chanteur je ne sais pas bien ce qui m'arrive en ce moment mais je me tape que des œuvres du début du siècle voire du siècle dernier <laughs> Dragon Ball Breaking Bad one piece sons of anarchy and least but not last californication californication not like so. Ça doit être mon côté vieux con. De mon temps, on savait faire des chéries, on savait écrire des histoires, on pouvait voir des filles nues à la télévision et insulter qui on voulait et manger du camembert au petit déjeuner et boire de l'agnol jusqu'au chant du coq et porter des blousons en cuir à tête de mort et célébrer la vie par tous les trous. Euh, Aujourd'hui, les jeunes ils portent un masque d'hôpital sur la trône, et chient avec leur téléphone. Euh, C'était mieux avant, quand même. Attention au syndrome du vieux con. <laughs> C'est pas une blague. C'est une vraie affection au sens médical du terme, même si les vieux cons n'ont pas toujours tort et que les jeunes cons ont rarement raison. Trouver l'équilibre entre deux types de conneries, c'est là tout le travail du philosophe. T'es d'accord Travail dantesque. T'es d'accord Quelque chose ressort tout de même de ces œuvres du début du siècle, voire du siècle dernier. C'est leur fraîcheur. Qui dit fraîcheur dit Jeunesse. Les vieux cons sentimentaux euh, en appellent à la jeunesse de leur époque, pas aux fleurs de cimetière. Leur comment dire ça? Leur euh, leur erreur consiste à croire que toutes les jeunesses de toutes les époques devraient se valoir et même s'entre-nourrir pour ne former qu'une seule et même façon d'être. Sauf que la jeunesse masquée et nomophobe. A, a, a déjà ses fleurs de cimetière sur la peau. La grogne, euh, la phobie de l'inconnu et le retrait confortable derrière son écran de téléphone l'ont déjà vieilli. Je te parle du Zagheist, coco cocotte. L'esprit du temps. Pas de tous les jeunes, un par un, de tous les villages de France et de Navarre et du monde, un par un. Le Zagheist, l'esprit général du temps. La distance, et, et, et la distance brouille forcément les cartes, hein. On a l'impression que les anciens jeunes, et je pense à la jeunesse emblématique des années 50 et 60, se rebiffaient contre leurs vieux et contre le système de leurs vieux avec enthousiasme. Un enthousiasme noir et violent, sans doute, mais un enthousiasme. On a l'impression qu'ils voulaient... Euh, euh, comment dire ça, accrocher un sourire à leurs lèvres, tu vois, quitte à en passer par les points, par la drogue, par les sit-ins, les manifestations antiracistes, anti-Vietnam, etc. La volonté de sourire, de péter, de chier sur le système avec enthousiasme et de se jeter à corps perdu sur les routes du monde, sillonner le monde. Je pense à, à On the Road de Kerouac qui a cristallisé cet esprit, je pense à Shantaram qui a le goût de cet esprit, à One Piece, bien sûr, je pense évidemment au, 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 au rock and roll et à sa fureur joviale, sa fureur joviale, tu vois, je... comment dire ça euh... Être mécontent, oui, un jeune est nécessairement mécontent, mais avec appétit, avec enthousiasme. Aujourd'hui, nous sommes virulents. Mais rancunier, Mossad, méfiant, c'est pas très bandant. Le zagheist n'est pas très juicy. Euh... Alors on s'en fout, c'est cyclique. Hein. Les beaux jours de la fureur reviendront, t'inquiète pas. J'avais entendu parler de Californication à sa sortie, mais ça ne m'avait pas tenté jusqu'à récemment. Jusqu'à tout récemment. Pourquoi Pff, Le besoin de fraîcheur, peut-être J'adore l'exubérance, c'est le noyau dur de l'enthousiasme, selon moi. C'est pour ça que j'adore One Piece, ou euh, certaines séquences des films de Tarantino. La vitalité n'y est pas réprimée, ça pète dans tous les coins. Tu vois, la structure de One Piece, ou de certaines séquences des films de Tarantino, est très méticuleuse, très élaborée. Euh, mais la forme au-dessus de la structure est complètement barrée. <laughs> ça pour moi c'est la marque des très grands artistes, ce contraste entre la rigueur structurelle et l'exubérance juvénile de la forme. C'est ça aussi à sa façon. Structurellement c'est l'histoire d'un mec largué par sa femme et qui n'aspire qu'à une seule chose au monde, la reconquérir et par extension naturelle reconquérir, renouer avec sa vie de famille. Ils ont une fille ensemble. Okay Toute l'histoire de Hank Moody est sous-tendue par ce souhait regressus ad uterum, on dirait, revenir à la matrice, revenir à la vie de famille, dans les bras de sa femme, Karen. Sur cette saison, il en sera toujours question. Ok, euh, le motif de la structure reste inamovible, mais par dessus ce motif, c'est la folie, c'est l'exubérance, ça pète et ça jouit dans tous les coins, tu vois la série est très chaude. Hein <laughs> Attention, la série, la série est très le sexe y tient une place prépondérante. Californie Cochon, euh, tout est dit dans le titre, tu vois. Ça saute dessus pour un oui et pour un oui. C'est le, concrètement, c'est le milieu hollywoodien des années 2000. Nouveau siècle, nouveau pic d'énergie, tu vois. <laughs> Hank Moody, euh, voilà, je, je vais te faire sa topo, sa, sa, sa topo, sa biographie. Rapidement, euh, Hank Moody est un écrivain new-yorkais, voilà, euh, catapulté sur les palmiers d'Hollywood Boulevard avec sa petite famille, son roman à succès a été adapté en long métrage, la gloire universelle frappe à sa porte, sauf qu'il est très mécontent, très mécontent de la version cinématographique de son roman. Tu vois pour lui Hollywood c'est de la merde en boîte. Il a cette posture, tu sais de de l'intellectuel new-yorkais, d'être supérieur comme ça euh, au mercantilisme hollywoodien comme ça. Il a une grande gueule, le mec Moody et cette grande gueule lui attire nécessairement des ennuis au sein de l'industrie et en même temps en même temps son franc parler euh, fait tout son charme euh, toute sa saveur d'écrivain subversif les gens l'aiment et le détestent en même temps tu vois sa femme Karen l'aime de tout son cœur et le déteste en même temps il a la caquette en folie il peut pas tenir sa langue les femmes se jettent littéralement à ses pieds il les idolâtre et en même temps en même temps il les désarçonne c'est un c'est un électron libre un, un alcoolique un jouisseur qui ne peut pas à vivre sans Karen qui ne jure que par Karen et par sa fille Becca tu vois c'est un c'est un papa poule, et en même temps il a il a 4 ans d'âge mental il <laughs> se fait et se fait materner chapitrer, par sa propre fille Becca un exubérant quoi je te l'ai dit un exubérant un exubérant spirituel spirituel au sens de, de roi de la punchline tu vois sa force ce sont les mots hein, c'est un écrivain quand même ce sont les mots et le whisky <laughs> Mais ce qui est d'autant plus dingue, dingue avec cette série, c'est que Hank Moody est le personnage le moins dingue, le moins frappadingue de toute la distribution. Karen et Becca, mis à part, Karen et Becca sont euh, scènes d'esprit, tu vois, ce sont nos bouées de sauvetage dans cet océan d'obscénité et d'humour noir. Mais tous les autres sont des animaux sans filtre, des animaux en rut, tu vois, qui, qui ne se planquent même pas sous le vernis des convenances. Il n'y a pas de convenance. Il n'y a pas de scrupule. J'ai parlé du scrupule et du, et du sentiment de, de culpabilité dans la vidéo précédente. Les personnages sont nus. Nus épidermiquement, nus moralement, l'amour propre n'existe pas, ils sont libres d'être ridicules, libres d'être en rute, libres de se, de se casser les dents et de se relever. Tu vois, leurs faiblesses, leurs névroses sont euh, largement compensées par leur humour. Charlie, l'agent littéraire chauve et sa petite quéquette. Stu, le producteur hollywoodien Binoclar, et sa grosse quéquette. Marcy, l'esthéticienne fort en gueule qui aime Charlie d'amour. C'est son petit mari. Mais préfère forniquer avec Stu qui carbure au Viagra et aux poupées gonflables, tu vois <laughs> Atticus Fetch, je sais pas si tu vois qui c'est. Atticus Fetch, c'est la star du rock Hasbin, dont la tête sert de de repose-couille à Marilyn Manson. Eddie Nero, tu sais, le Eddie Nero, c'est le comédien narcissique et bisexuel qui chie sur le corps des gens. Le, le fantastique Richard Bates, l'écrivain alcoolique, l'écrivain alcoolique et, et exhibitionniste qui épouse Karen en seconde noce, et sodomise en même temps son thérapeute, au centre de désintoxication, thérapeute qui finira par se calmer lui-même. <laughs> et, 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 et toutes ces femmes, plus désirables et badass les unes que les autres, qui assument totalement la puissance de leur libido, la gloire de leur nudité, hein, l'exubérance de leur mésaventures. Marcy, Abby, euh, Mia, sacha Kali, euh, 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 la liste est longue on a droit à une sexualité triomphante, dionysiaque, scabreuse et, et, et foutraque chez les hommes comme chez les femmes. C'est du grand n'importe quoi pour le bon petit soldat, pour le bon petit conformiste, mais c'est triomphant. Californication a été écrit dix euh, ans avant l'émergence du mouvement MeToo. C'était l'âge du désir furieux. Là, nous sommes dans l'âge de la honte et du cauchemar qui aura ses répercussions sur les œuvres de demain. Ça, c'est sûr, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que Tom Capinos aurait pu écrire Californie Cochon aujourd'hui I don't think so. Tout le monde porte un masque aujourd'hui. Mais le rock'n'roll ne peut pas totalement mourir. Tu vois, il est en dormition, comme le roi Arthur. Il attend son heure. Saurons-nous lui chatouiller les orteils, coco -co 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 -gi Attention à l'odeur, hein, quand même. <laughs> Ça peut fouetter. Ah oh là là, cette série est très bonne. Elle est très bonne. Moi j'aime bien quand Hank Moody euh, chie sur le capot de la voiture de son rival. Je te dis, c'est le moins frappadingue de tous. Mais quand même. mais quand même, faut pas déconner. Hein. Euh, il a du level lui aussi, quand même. Hein. Il tient la série. Ne l'oublions pas. This is Californication. Da, 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 da. This is Californication. Rock and roll, mon frère, ma sœur.